Good morgen, Aleid, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai ben Fanny ben Yitzhak, ainsi que le Refouat Rav Bor Shmuel ben Léa et Léa bat Elisheva. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maseret Moed Katan, Perikbet, Mishnah Aleph. Mi she'afach et zetav ve'ero evel o ones, o she'it'uhu po'alim, to'en korah rishona u'manicha le'achar ha'moed. Livré Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omer, Zolef, Vegomer, Vegaf, Kedarko. Je traduis et après on explique. Mishafach et Zetav, celui qui a retourné ses olives vers Evel, et ensuite il a eu un deuil, au Ones, ou un empêchement, au Shit, ou pour Alim encore de ses employés qui l'ont trompé, planté. Ils devaient travailler, ils n'ont pas travaillé. Et donc, dans la situation où on se retrouve, il y a un problème, c'est que les olives qu'il avait retournées, elles risquent de pourrir. Et sur ça, la Mishnah nous explique, eh bien, tu sais ce que tu fais? Toen korah rishona, tu mettras dessus la première poutre, la poutre pour la première fois, ou manicha lachar moed, et tu la laisses telle qu'elle jusqu'à la fin du chol moed. Ça, c'est divrei Rabbi Yehuda, on explique un petit peu mieux. Et non, je continue quand même, un tout petit peu encore. C'est Rabbi aussi qui discute sur ça, Rabbi aussi Omer. Zolef et Gomer et Gaf Kedarko. Non. Si déjà tu dois t'occuper maintenant de ces olives, tu fais tout ce qu'il faut comme il faut, tu les retournes, tu les finis, tu pourras même les broyer et récupérer l'huile et même en faire ensuite des Gaf Kedarko. C'est que tu vas mettre le couvercle comme il faut. On explique un peu mieux de quoi on parle. On parle en fait que il y a cette Mishnah, la prochaine Mishnah, ça va être un peu la même chose. Là, on a parlé d'huile, là-bas, on va parler de vin, mais la même marque loquette exactement. Avec, en plein milieu d'une préparation, pour faire de l'huile d'olive, il fallait prendre en fait des olives. Et l'usage, c'était d'abord de les laisser telles quelles pendant un certain temps, et comme ça, elles chauffaient, elles commençaient un petit peu à malaxer dans le. À macérer dans leur chaleur, dans leur vapeur. Et puis après, on les écrasait une première fois, et quand on les écrasait, ça commençait à faire couler leur jus. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument se dépêcher ensuite de le retourner pour qu'elle continue à écraser et pour qu'elle continue à sortir leur jus. Sinon, ça peut pourrir. Donc en fait, on se retrouve dans une situation maintenant où tu as commencé, quelqu'un a commencé avant Chol HaMoed, il a commencé à travailler ses olives, puis finalement, il a un empêchement qui va faire que maintenant, il se retrouve pendant Chol HaMoed avec le devoir de continuer ses olives. À travailler dessus, parce que s'il laisse tel quel, ça va tout pourrir. Donc il faut les sauver. Pour éviter une perte, on a le droit de travailler. Et sur ça, la Mishnah, elle va nous apporter une marloquette. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Selon Rabbi Yehuda, on pose juste une poutre. On repose la poutre sur elle, mais c'est tout, on tourne plus, il peut y en plus. Et selon Rabbi aussi, puisque de cette façon, je te permets de travailler, travaille plus. Voilà pour, de manière grossière, la Mishnah. Maintenant, on reprend encore une fois, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de détails. Donc on parle maintenant que quelqu'un, pour faire les olives, il fallait donc les mettre ensemble, qu'elles s'écrasent, elles vont commencer à sortir leur jus. Il y avait ensuite même l'usage de moudre les olives, les broyer complètement, et comme ça, ça avait ensuite sorti toute leur huile d'olive. Et qu'est-ce qu'il a eu le pauvre? Pourquoi il n'a pas pu continuer? Initialement, il avait prévu son coup. 6 jours avant Pessah, avant Shavuot, avant Sukkot. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, il a eu un empêchement. Par exemple, il a eu un deuil. Donc de là, on apprend une halakha très importante. Que les choses qui sont interdites pendant Chol HaMoed, ils sont aussi interdites. Pendant les jours de deuil. Pendant les jours de deuil, on n'a pas le droit de travailler. Chez l'Oneda, quelqu'un qui a un endeuillé, il n'a pas le droit de travailler. Ok? Ou bien encore, il a eu Ones, il a eu un empêchement. Pour X raison, comme si. Ouais, il nous dit en bas le Tiferet Israël. C'est la haute guimel. Ouais, on précise pas exactement. Ah, il précise exactement, ça peut être dans le champ d'autre aussi. Par exemple, il l'a oublié, ou il ne savait pas que c'était Assour. Ça s'appelle qu'il a eu Ones, même ça, c'est considéré comme Ones. Donc maintenant, il avait. Quelques jours avant Pessah, alors qu'il aurait pu travailler et préparer son coup et son huile d'olive, il a eu des empêchements, ou même parce qu'il s'est trompé. Ou bien, Itou Poalim, il a invité des travailleurs à venir, des gens qui allaient, des employés à venir travailler, et puis ils ne sont pas venus, ils n'ont pas prévenu avant, et puis maintenant ils se retrouvent qu'ils rentrent dans Pessah avec ces olives qui ont été prises une première fois concassées, mais qui n'ont pas encore été bien écrasées pour sortir leur huile d'olive. Alors, tout ça, maintenant, on a une marloquette que. C'est délicat parce que c'est pas assez précis, c'est pas précis du tout dans les commentateurs d'ici. Quelle est la différence exacte? De manière générale, puisqu'on est faire un travail pour éviter une perte, même si ça ne va pas te profiter pendant Chol HaMoed,
éviter une perte d'argent, tu as le droit de le faire. Donc là, si tu as tes olives qui sont en train d'être, qui risquent de pourrir, tu auras le droit de travailler en théorie. Mais faire quoi exactement? Alors Rabbi Yehuda, il vient et te dit, tu sais ce que tu fais, tu vas pas commencer maintenant à les moudre et à faire sortir toute l'huile d'olive. Non, je te permets pas autant, je te permets juste de faire un petit peu, c'est que tu vas prendre une nouvelle poutre, tu vas la remettre dessus, comme ça va continuer à écraser. Dès que tu vas mettre la poutre dessus, ouais, ça va les écraser, ça va éviter maintenant que ça va pourrir. Dès que ça en travaille, en fait, ça ne pourrit plus. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Mais donc, si vous faites attention, il a dit que tu sauves les pots cassés, sauves les pots avant qu'ils se cassent, mais il ne nous a pas donné plus que ça, plus de permission. Sur ça, Rabbi aussi, il va te dire, non, tu fais tout comme il faut. Si tu as le droit, tu as déjà commencé à le faire, tu as le droit de toute façon maintenant à sauver leur perte, et bien si déjà, fais complètement, finis de d'écraser toutes tes olives, récupère l'huile et ferme même les tonneaux. Gaf, ça veut dire la gouffe. Gaf, c'est le megofatravit. C'est le couvercle de du tonneau. Tu as le droit de le fermer ensuite pendant la mode aussi. Parce qu'en fait, alors maintenant c'est pas présent le point de discussion exactement. Quel est le point? Il y a une petite mashmout d'ici et de. Je crois que c'est la gars de Rebecca Winger, ou je sais plus, qui explique que en fait la différence elle est que. Selon Rabbi Yehuda, le mot-clé, selon Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui va nous dévoiler le mot-clé. C'est comme il va te dire, Vega Kedarko, comme c'est d'habitude. Soit selon Rabbi Meir, puisque tu as la permission de travailler Bidvar à Aved, avec quelque chose qui est en situation de perte, tu as le droit de faire un travail pour le sauver, pour éviter qu'il va se perdre. Et bien dans ce cas-là, il va te dire, Rabbi aussi, tu fais tout, dès que tu as le feu vert. Le feu vert fonctionne normalement. Selon Rabbi Yehuda, malgré le feu vert, tu travailles à minima. Que si ça peut te suffire de mettre la poutre dessus, tu mettras juste la poutre sans pouvoir continuer à t'occuper de toute l'huile d'olive qui va couler. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.